J'ai été élu. Ils ont qu'à attendre 2 ans et puis ils viennent nous gagner pour prendre la place. Avant ça, c'est pas possible. C'est la réponse de Jean-Marc Yassé à la décision des membres statutaires de la Fédération ivoirienne de taekwondo, réunis en Assemblée générale extraordinaire le samedi 19 octobre dernier. Ils ont décidé de raccourcir son mandat avant de mettre en place un comité directeur de transition avec à sa tête Maître Diomandé Ali, une action qualifiée d'illégale par le camp du président Jean-Marc Yassé. Il n'y a pas eu d'Assemblée générale. C'est une réunion. Le camp venait à 1000. C'est une réunion. Ça ne va pas changer la nature de l'Assemblée générale. C'est une Assemblée générale extraordinaire. On doit adresser une requête motivée au président de la Fédération. C'est le seul habilité à présider une Assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire. Jean-Marc Yassé a annoncé en présence de plusieurs de ses collaborateurs la mise en place d'un nouveau bureau dans la soirée du lundi 21 octobre et aussi la tenue d'une Assemblée générale ordinaire en novembre 2024.